Mesdames, Messieurs, bonsoir. Aujourd'hui, c'est jeudi 6 juin 2024 et dans le live touche aujourd'hui, on a pour recevoir un invité qui est le Gaëtan Chansi. Ils sont producteurs et non associés à un film qui se passe dans Sundance Festival. Et pour parler de Sundance Festival, son gros référence que lié dans la question cinéma international. Et c'est Gaëtan Chansi. Gaëtan, et c'est avec un peu de plaisir qu'on va accueillir dans live touche sous VOA Creole. JB, c'est moi pour remercier, merci pour l'invitation. Merci que nous avons une plateforme pour nous parler de films. Oui, eh bien, rapidement, bonne nouvelle là, c'est que le film nous le projeter qu'on y a là dans Maryland, qui c'est tout près Washington DC. C'est dans la zone métropolitaine Washington DC. Bah, nous, bonne nouvelle là. Exactement. Eh bien, dans quelques jours là, le 10 juin à 7h20, le lundi 10 juin, eh bien, Kidnapping Inc. a une projection dans DC Caribbean Film Festival. Et sont très bonnes opportunités pour nous. Vous coupez? Non, mais pas Je vais t'aller. okay. Oui. Sont très belles opportunités et sont surtout ça qui est le plus important pour nous, hein, c'est que l'y passer Sundance, qui était un public très international, l'y passer en Belgique, première européenne, donc c'était un public d'Acadie Film des gens. Là, c'est ça après la première projection devant un public haïtien que nous espérons qu'il vienne nombreux. Pour ça qui est dans zone, m'a dit nous que cinéma a 200 places seulement. Donc, si nous voulons venir, nous pouvons prendre place, nous marcher pressé, parce que ça qui est arrivé, nous Sundance, eh bien, toutes ces séances étaient sold out, même pour nous, même les temps problème pour joindre pour propre staff par nous, pour prendre le monde qui était là. Donc, place sur pas en pile, mais je pense que c'est son film qui est intéressant à voir sur un grand écran. Donc, je pense que c'est son, pourquoi qu'on ait qui leur distribution après le fait. Donc, si vous êtes dans une zone là, où mes films haïtiens sont très belles opportunités pour venir garder dans des conditions optimales. Oui, avant de rentrer dans le film, là, parce qu'au début, du kidnapping en Haïti, donc toutes les plumes sous le dos levées, donc ils ont une idée déjà. Mais d'abord, parler de Sundance Festival, c'était une belle expérience? Bon, ça, c'est une très belle expérience. Déjà pour sélection film, non, pour opportunité que le bail film, non, et du fait que son festival aussi mythique, c'est parmi 5 plus gros festivals et cinéma au monde et premier festival film indépendant aux États-Unis. Donc, c'est une très belle opportunité. Nous, t'es essayé de maximiser, ça veut dire le nouvel l'a tombé, il y a toute équipe là, il y a acteurs, tout le monde répond présent. Donc, tout ça que t'es qu'à vini. Donc, nous, t'es une équipe de 14 monde qui était l'autre bois. Donc, même si c'est un pile mal tête pour me t'es coordonner toute équipe ça qui t'a privé des jours différents, à des lieux différents, en mettant la nuit. Mais nous profiter de l'expérience là et nous travaillons en pile parce que bon, c'est un gros enjeu pour nous. Nous t'as stressé en pile, nous pas de problème. Donc, et public là, la projection, tu as dit grande première là, qui est un public de professionnels, ils ont très bien recevoir le film. Pas oublier que le film a 90% créole. Donc, et ça veut dire, nous ne pas compte qui j'ai à recevoir pour appeler sous-titres, parce que le film, on gros partie la donne très rapide, fast-paced. Donc, il faut dire, pour moi qui ne pas parler créole, ou du moins qui ne pas comprendre créole, il faut faire un pile lecture, même temps, un paquet d'action qu'a fait. Donc, mon cher, mon yo, t'es une réception qui était positive, donc ça, nous très content de lui. Et puis après ça, tout. Toute équipe là, on tige un papier à travers le monde. Il y a Olaf Ton Mercure qui était en France. Regardez. Voilà. On l'a acteur clé dans le film. Donc, Olaf Ton qui était en France, Gilbert qui était en Haïti, que malgré que je travaille avec lui depuis très longtemps, c'est la première fois que physiquement nous sommes ensemble depuis un paquet de temps. Donc, le fait que nous tous qui étions fabriqués film, nous nous retrouvons nous pour nous célébrer un moment qui était unique, c'est une très belle opportunité. D'ailleurs, mais brièvement, Gaëtan, pour dire, l'op passe dans Sundance Festival, et nous t'aimons en Cannes, pour qu'ils soient dans nous, en Cannes. Mon cher, nous pas dans Cannes, et nous t'aimons dire, une n'a plus grand raison, parce que bien évidemment, Cannes pour nous-mêmes, nous t'aimons dire, francophone haïtien, c'est plus festival ça que nous connaissons, nous pas vraiment familier avec Sundance. Et puis, Cannes, bon côté mythique que tout le monde t'aimons à Cannes. Bon, il y a plusieurs raisons. Le fait que nous passons Sundance, automatiquement, nous venons moins attirants pour l'autre festival de catégorie A. Parce que tout, y a une compétition entre une autre, y a cherché une certaine exclusivité. Donc, même si nous t'as passé l'étape rare que nous t'as qu'en compétition, on comprend, mais nous t'as peut-être une petite catégorie parallèle. Et puis tout, vendeur yo qui a chargé de 20 pauses et qui de 20 films pour nous, yo t'a dit nous que yo pas pensé que c'est meilleure place pour nous à ce stade que nous y a là. Donc, tu t'es concentré nous, plus aller dans des festivals de gens, ce que nous fait, par exemple, nous fait le BIFF et Bruxelles International Film Festival qui est en Belgique. Là, nous allons faire bientôt Fantasia qui, au Canada. Donc, ces stratégies que,
comme nous-mêmes métier nous c'est faire film métier nous c'est pas vendre film ou comprend même si nous t'ai envie aller nous obligé côté conseil donc n'a suivre stratégie donc c'est pour ça que comme moi Méritisia et que finalement yo vinn accepter invitation ça bien content pas besoin payer ticket man l'autre côté ou comprend tout là bagaille là là j'ai des contacts en ville là ou comprend donc m'a profiter que au moins comme son vie Washington son vie qui quand même des quelques haïtiens moi très content que m'a ka tester film dans son public haïtien pour moi qui j'ai voulu recevoir faut me dire moun cap suivre live tout chaud c'est un avant-goût donc interview que nous gagne avec Gaëtan Chancy pour nous capable voir film ça mais parlez-nous un petit peu de film là ou dit kidnapping et bon yo des kidnapping yo gang yo moun yo kidnappé enlevé l'argent expliquez ba non ti bay même sou pa ka vide ba non tout bay bon pour m'ta ka mette pour m'ta ka résumer film nan parce que m'pa vle bay trop film nan son donc son comédie noire ça veut dire son comédie qui son film k'ap fò ri mais qui inspiré de faits réels ça veut dire inspiré de la réalité haïtienne, ça veut dire n'ap vivre des situations que normalement on pas ta supposé ap ri de bagay sa yo. Mon connaît même nous même haïtiens, nous toujours tellement vivre des bagay dramatiques, c'est toujours avec l'humour que nous pon nous font ti descendre stress ça, nous font ti relax. Et ben film nan m'ta ka di c'est un petit peu dans ton ça que lié. Donc bon gros parti m'ta ka di qui comédie noire mais son satire politique lié. Il parlait de politique, c'est-à-dire que au final, il traitait d'un sujet politique. Bon m'a bon bagay là rapidement. Son sénateur, c'est film n'a commencé, c'est petit ton sénateur que yo kidnappé et que a mandon gros rançon pour lui. Mais deux messieurs ça yo qui est kidnappé monsieur, nèg ça yo et t'as qu'à dire nèg c'est des kidnappeurs mais nèg ou senti que nèg pas fin vraiment des professionnels et va quand pour bah qu'a fait en Haïti yo kounya. Faut pas oublier que là nous fait film dans tout, nous t'a parlé des kidnapping époque année 2010 toute bagay ça yo, la réalité est venue nous rattraper mais inspiration partie de on explique et t'as qu'à dire ça que qu'on a fait au tige avant eux pas messieurs avec manche longue magasin donc messieurs ça qui est petit ton sénateur bon regarde tes questions qui viennent faire négio tué petit sénateur qu'on y a négio chaud peut-être tué otage là donc y a pas de problème avec bossio et puis qu'on y a pendant négio avancé la mitte en Port-au-Prince négio tombé sous un sosie petit sénateur un monde qui semblait monsieur bab pour bab et puis négio décidé de prendre la main sur monsieur pour faire monsieur passer pour petit sénateur donc en gros mais on tige un vibe film non vous comprenez donc ça a fait dans mi-temps Port-au-Prince pendant ce temps ça c'est dans mi-temps en élection vous comprenez mais et puis dans mi-temps on classico on Real Barça qui a joué donc bon un petit peu ambiance film en général donc ça tire et bon mauvaise expérience tout qui fait hein bon mauvaise expérience qui fait par rapport parce que kidnapper nous effectivement et ben malheureusement pour on nous kidnapping pour nous éviter insécurité parce que réalisateur a été vu à shoot en bas la ville et pour que ça en bas la ville pas de bon on a parlé début février 2021 donc nous même n'a essayé retirer corps nous dans insécurité la ville là nous vinn décider nous allons shoot Jacmel donc nous allons partir dans faire une semaine de tournage Jacmel et puis bon nous t'ai gain équipe sécurité nous t'ai convoi de 14 machines et puis mon cher sur la route du retour dans mi-temps la nuit et nous passer par Matissan au coin Matissan et ses territoires et ouais. Voilà ces territoires gang et gang zone ça donc pendant que n'a passé et pendant que n'a rivé nos zones là et m'ta ka di boté les Haïti alors pas boté les Haïti non pour n'a rentrer dans Port-au-Prince là yo font attaque sur nous et nous té gon véhicule qui té gen une génératrice avec trois techniciens qui té la donne donc c'est ton camion avec une génératrice nèg yo pleuvé nèg yo devant nan mitan nous tout et puis yo monté avec yo et dans village alors pas dans village yo monté avec yo et comment les côtés ça encore ravine pétade et puis mon cher c'était une pi mauvais petit bois mon cher c'était m'ta ka di une pi mauvaise expérience que m'te vive et heureusement pour nous après une semaine m'pa pral rentrer dans les détails parce que bagay la te vinn quasi politique comprenne mais nous t'ai réussi obtenu libération negyo negyo t'ai sain et sauf bon j'en tout monde connaît là-bas la te vinn un petit genre politique et grâce à Dieu et negyo sorti c'était l'essentiel et l'heure prend camion que tu prends c'est ton génératrice et c'est pas équipement donc très peu de temps après nous t'ai réussi redémarrer tournage là même si nous pas réussi fini et donc voilà film nan vinn tourner réalité sous nous c'est un moment qui était très compliqué mais et grâce à Dieu et nous t'ai bon nous réussi fini
Donc, c'est, c'est yon aperçu de interview ça que, eh ben, amis téléspectateurs nous capables de suivre sous VOA Creole avec Gaëtan Chancy qui c'est producteur, et qui travaille avec un film ça qui est Kidnapping Inc. M'ba konnen et Gaëtan m'a bon dernier en minute pour dire un dernier mot à peu près. Eh ben, haïtien tout côté et film n'a fait si chemin li en festival. Et n'a travaillé en pile pour que bon distribution, n'a travaillé en pile tout pour que et nous font grande première en Haïti qui probablement pour cap haïtien d'abord et n'a travaillé sur en pile stratégie et moun ki Montréal a gen opportunité well en mois juillet août mais gen des avancées cap fait et normalement nous pensons que d'aka di non fenêtre de 6 mois 1 an film n'a supposé disponible pile côté pour tout moun ka well. Nous fait film c'est pour moun wè film. Voilà. Merci Gaëtan Chancy, c'était invité nous aujourd'hui dans live tout chaud côté t'a parlé nous de Kidnapping Inc qui gain pour passer dans cinéma et dans Maryland lundi cap venir là à 7h20. Donc c'est yon grande première, m'ta pas dire grande première mais il pas grande première vraiment parce que nous passons mon cher c'est deuxième présentation aux États-Unis donc ouais c'est grande première dans la zone. Oui, voilà. Moi c'est Jacques Lembelizier, c'est ton plaisir pour t'être avec nous là en live tout chaud. Donc toujours été branché sous VOA Creole pour capable gagner dernière nouvelle et ça c'est une grosse nouvelle que lié pour Haïti parce que c'est presque tout est intervenu et il était réagi négativement pour dire que non. Et proposition là ça pas bon parce qu'on lui mandé républicain yo pour combattre parce qu'il dit que si nous passer loi ça son cadeau n'a fait administration Biden non ben n'a fait président Biden qui c'est candidat ou pour et cap chercher un autre mandat et lui même tous les candidats pour retourner dans maison blanche là. Donc il dit si nous fait son cadeau n'a pas dit, donc pas passé. Donc effectivement, pour République Koutel et au combat position là. En tout cas, dans la déclaration du président Joe Biden fait hier dans la Maison Blanche, lui-même lui dit que il était attendu que à ce que République n'a pas le travail avec lui pour résoudre, pour mettre sécurité sur frontière. Mais il a remarqué que c'est pas ça qu'a fait. Alors, étant donné que ça n'est pas ça qu'a fait, donc il fait cavaler seul. Et il prend décret exécutif. Je rappelle que tout décret exécutif capable d'éliminer avec un autre décret. Par exemple, le président Donald Trump a même décret que le déprend, Biliem qui pouvait interdire une série de monde venir aux États-Unis. Parmi eux, il y a le décret musulman, mais il y a une série de même européens, tout pas de cap venir aux États-Unis, surtout dans la période Covid-là, et bien il a interdit de venir. Et bien le président Biden monté, il prend l'autre décret, et bien il met le décret ça à côté. Ça veut dire que si le président Biden était sous pouvoir, bon, ça a toujours été, mais si le président Biden a perdu l'élection 7 novembre 2024, et bien le président Donald Trump qui pas jamais caché son sentiment anti-immigrant, il n'a pas un problème pour lui faire. Donc, décret ça, licencié en application, si en moyenne, je dis à la, que l'autorité et garde frontale et l'État de juin, il a mis sous 2500 personnes, et bien immédiatement, il s'est fermé. Cependant que le président a un aspect humanitaire qui gagne dans le décret ça tout. Aspect humanitaire, ça veut dire que les gens qui n'est pas concerné, que le décret n'a pas affecté, par exemple, mineurs. Mineurs, tout le monde qui moins que 18 ans qui vient sur frontière sans parents, ils n'ont pas affecté. Les gens qui prennent rendez-vous à travers les programmes CBP ou non, qui prennent rendez-vous pour venir d'Asie sur frontière, ils n'ont pas affecté. Les gens qui ont urgence médicale, ils ont pas affecté et moun qui victime nous t'a dit victime de et moun qui a fait et casser pour être moun pour prendre l'argent dans main pour faire entrer sous frontière tout mais juste ça il pas affecté autour. Donc ça c'est aspect humanitaire puis tout si on arrive sous frontière tout c'est un problème asile vous demandez parce que dit depuis c'est conseil Kembeo et ben ou pas éligible pour demander asile et ben si vous capable monter vraiment grand peur vraiment peur que pas retourner ou pas monter on montre peur que les ça capable prendre en considération et Kembeo. Donc son mesure qui fait en pile par en pile et public qui réagit. Et puis, il dit que mes son cadeau, mais ça, il pas gagné là-dedans. Il pas, par exemple, réappliqué mesures que le président, ancien président Donald Trump t'a mis sous pied.
et là il était sous pouvoir à côté il était rété au Mexique ça avec l'ovine mandat d'asile officier d'immigration retourne au Mexique pour en attendant yo analyser dossier pour relo li pas tout limite li pas bail autorité ou bien encore agent faut aller au moyen pour yo contrôler quantité migrants qui vivent que l'administration dit que il y a pas augmenter quantité juge quantité et officier immigration quantité juge qui pourtant des mounio et puis après dit transit temps prend pour tendre au monde qui vient demander asile il a cherché réduire le plus à, et plus vite que possible et puis qu'on processus rapide sous pas qualifié pour déporter ou bien retourner au Mexique ou bien voilà revenir dans pays d'origine. Ça c'est ça président mais républicain dit non, il pas rien ça là-dedans et puis il pas ba moyen tout pour déporter plusieurs millions d'immigrants qui viennent demander asile frontière depuis président Biden précisément et en 2021 et donc pas de moyen ça donc républicain jeté ba ça pas coutu il veut jeter. Et en sa réaction républicain yo qui quelques républicains en fait leader républicain dans Congrès gain tout une coalition qui a encore des militants qui a défendre droit immigrants yo et parmi yo gain Hichen Brizalaens gain Congrès tout même Congrès tout député surtout qui sorti dans district électoral côté gain un peu d'immigrants là-dedans yo qui se soit dans Chicago qui se soit dans et Massachusetts et alors on a parlé Illinois ou bien dans Massachusetts ou bien de l'autre côté et, ou bien Minnesota et bien groupe congressman ça a été réuni tout près congrès devant congrès hier après-midi pour être réagi et au moins non seul bagarre au moins d'administration que mais juste ça dit pas aider dit seulement contribuer à plus problème toujours parce que le papoter aux solutions donc au moins d'administration au lieu pour empêcher les gens de demander asile parce que les États-Unis sont réputés comme côté qui est censé aider les gens à chercher le cap, chercher protection. Je dis que ça, c'est ça, c'est écarter la pécarte de l'hôpital. Donc, je demande l'administration pour retourner sur la décision. Et ils ont menacé. Ils ont dit que s'ils ne pas retourner sur la décision, ils vont aller dans le tribunal. J'ai encore été fait déjà sous l'administration Donald Trump. Là, tout le monde n'a pas mis du aller dans le tribunal. Il y a plusieurs gens qui témoignent. Et c'est moun qui est entré dans le pays illégalement, avec parents, un parlementaire, un député qui est sorti dans Chicago. Il y a un autre parlementaire qui lui-même c'est un réfugié, qui est entré aux États-Unis comme réfugié, avec parents. Et lui-même tout, lui parle tout. Et puis il y a LGBT. LGBT, c'est bon. C'est moun garçon ma commère, mesdames mon compère. Alors, parce que mesdames, non, alors c'est groupe qui représentant garçon Macom avec mesdames, mon compère, avec l'autre monde, le bisexuel, ou bien encore monde qui straight, monde qui, mais monde qui groupe ça, il était parlé tout, et eux même ils dit que, et mais juste ça, il détruit au lieu que il résout le problème. Donc c'est des réactions et groupe. Une autre réaction encore, c'est, et gouverneur, et député, maïstre, monde qui est censé sortir sous frontière et qui connaît le problème immigrant. Et bien, il était tout dans la Maison Blanche, il était reçu une invitation, puis il était venu et il était pas là avec la presse. Côté que, pour eux, même, il dit que parce que c'est un pas dans la bonne direction, même si au fond, il n'y a pas résolu le problème. Le problème crise migratoire, là, ou bien ce problème sécurité sous frontière, là, pas résolu. De qu'il n'y a pas pris de lit, parce que ça va pas empêcher le monde continuer à venir, le monde continuer à venir. Parce que je dis à comparer à 2015, 2016, là, par exemple, t'es gagné, c'était immigré, t'es construit en Amérique latine, non, ça a été les triangles. Eh bien, bon. Je dis à qu'il y a immigré qui sorti plus loin que ça. Bah, la vie nouvelle net, et qu'il y a immigré qui sorti en Europe. Par exemple, en Ukraine. Il y a immigré qui sorti en Afrique. Des immigrants sortis en Asie, la Chine, Inde, même si c'était quelque chose. Donc, chiffre là, il dépasse, je veux dire, et Mexique, censé qui c'est censé pays voisin, qui est facile pour que les immigrants arrivent, eh bien, Mexique, lui-même tout, il n'est pas carimbé, il a un nouveau président, son femme, et en plus, le monde espère que l'Ipral essayer de contrôler le flot immigrant, parce que c'est une embarque que l'administration travaille, ça avec Mexique. Pour contrôler faux immigrants qui arrivent sur la frontière. Donc, si Mexique est capable de contrôler, eh bien, ça capable de gagner moins de monde qui arrive sur la frontière. Eh bien, bon.
Donc, quand c'est immigrant, ça y est, le chiffre n'a pas résolu. Donc, c'est ça que, par député ou encore magistrat communal, il faut qu'on ait que 10 points. Mais il croit qu'ils ne sont pas dans la bonne direction. Donc, ce point-là, je vais pour me retourner sur le dossier ça, parce que j'étais dans la maison Blanche-Chambre, j'ai fait un reportage. Et justement, je me en bref, ça que tu as dit, mais je ne vais pas aller en profondeur. Je dis, je vais aller en profondeur, côté nous, il faut attendre, voir tout le monde tout qui concerne et qui parle de dossier. Il y a tout, et l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, tout, qui reconnaît que c'est les États-Unis qui ont pour le contrôle des frontières. Mais il dit que, mais juste ça, il peut empêcher et monde cap chercher, il va chercher monde cap chercher et protection internationale empêcher aux jeunes accès pour ta fond demande de comme réfugié aux États-Unis. Donc c'est réaction agence de l'ONU pour réfugiés au fait sur question c'est là. C'est tout bazar. Donc nous avons parlé tout avec Galine Joseph, qui est responsable de Chine Brise Alliance. Donc, il y a l'autre dossier qui est en cours. Nous n'avons pas oublié qu'il y a un dossier là, par exemple, l'administration a fait annonce ça hier. Mais il y a l'autre dossier tout qui devant toujours, et il y a des démarches qu'il a fait pour même qu'il a gardé là, dossier pour et monde qui a un dossier TPS. Là, pour renouveler et dossier TPSA ou bien encore là pour considérer une série de pays et dans un nouveau programme TPSA. Donc nous pouvons connaître, nous attendons pour nous que l'administration et qui pour faire une annonce pour dire oui ou non la pour renouveler. Donc second dossier TPSA mon et que l'expiré qu'on y a ou bien permis de travail expiré, bon rappelons que nous avons dit renouveler permis de travail là en attendant. Ok, donc renouveler permis de travail là en attendant. En attendant qu'aux jeunes, aux jeunes, on réponde pour qu'on s'accapare, faire, etc. Donc, c'est ça. Et puis, pour le monde qui a un programme, qui a un programme Biden, tout, donc, nous encourageons tout, continuez pour rendez-vous, continuez tant, sauf c'est dans le programme Biden, oui. Et ce sous frontière, l'administration conseille, et le mando, à faire application. C'est-à-dire que, loi que décret présidentiel n'a pas affecté, donc, ça veut dire le mando, et on doit toujours continuer à faire demande pour venir dans rendez-vous, pour venir demander asile sous frontière. Donc remplir l'application CBP. Voilà, c'est ça. Et puis dans le pays d'Haïti, bon, et qui est toujours attente que le gouvernement a pu mettre sous pied, a pas annoncé membre cabinet ministériel là, et premier ministre Gary Conny, de rencontrer avec le conseil présidentiel et conseil présidentiel là donc bon mot de transition hein. Donc il rencontre avec eux et ils discutent, ils parlent de nécessité pour réduire ça les dépenses gouvernement. Donc premier côté gouvernement dépense en pile l'argent, c'est gouvernement et c'est gouvernement lui-même qui est trop grand, qui est trop gros par rapport avec conditions économiques pays. Donc ça veut dire de 18 cabinets ou bien 18 ministères. Eh bien, le Premier ministre a discuté avec le Conseil présidentiel de transition pour y réduire. Bon, finalement, après tant de discussions, etc., donc finalement d'accord pour y mettre à 13 ministères, au lieu de 18 qui sont là. Donc, c'est la discussion. Ensuite, le Premier ministre Gary Conny dit, lui-même, il peut le mettre, il peut le discuter pour le dire, mais et profil. Ministre qui parle bien dans le gouvernement, même profil. En tout cas, tout secteur absorbé dans la rue qu'on y a là, pour faire tant de voix, pour dire pas oublier, mesdames, absorbé dans la rue pour dire gouvernement pas oublier, pour respecter 18% ou bien 33% constitution en dire pour nous faire partie du gouvernement. L'autre secteur dit pas oublier, par exemple, association avec eux dit pas oublier, nous. On va ne pas oublier, nous. Il faut qu'on ait un ministère pour mon handicapé, par exemple. Donc, tout le monde qu'on y a absolu, mais tout le monde apparemment dit, bon, on a pas le gouvernement en chance. On a pas le gars qu'on a une chance pour lui démarrer et selon ça qu'il a fait, nous va prendre notre décision puis devant. Mais, le premier ministre Gary Conny dit, il y a une mission, et une mission lancée d'abord réussie, et réussie, donc il s'est réalisé des élections. Et les élections, vous pouvez voir que le 7 février 2026, t'as dû gagner un nouveau président. Y compris l'autre institution parlementaire, etc. Tout est actuellement pas gagné. Donc, il croit que d'ici là,
il est très cadre démarré. Premièrement, mettez sous pied conseil électoral provisoire, travail sur question sécurité, programme en calendrier électoral, et puis les élections, etc. Donc voilà, c'est là nous y est. Et puis, entre-temps, la communauté internationale a travaillé tout, il y a un soldat kenyan, il y a encore Kenya qui est pour arriver dans la tête force sécurité internationale là pour garantir, aider la police nationale à combattre les gangs, qui ont tient à diminuer l'activité de cette aussi, ça ne veut pas dire qu'ils ne continuent pas à opérer. Et puis, il y a deux missionnaires qui étaient morts avec un Haïtien, qui étaient morts en Haïti récemment. Et ben c'est jeudi à funérailles a fait aux États-Unis, donc croit est arrivé l'autre bois, est arrivé ici semaine passée, en commençant semaine là, et ben c'est jeudi à funérailles et missionnaire ça a fait. Et puis nouvelle là, c'est ancien président Donald Trump, monsieur qu'on compte TikTok, et nous connaissons les États-Unis actuellement à fond, il faut plus éliminer ou bien encore interdire TikTok fonctionne aux États-Unis à cause conflit ou bien possibilité qui gagne pour que TikTok ta ou bien pour que information et américain yo ta tombé en bas main gouvernement chinois qui semble gon pied gon jesou et sous lit ou bien si c'est pas pour lié même mais et yo te baillé jusqu'à Congrès même parce que même une proposition de loi qui baille jusqu'à l'année prochaine pour que organisation pour que application ça les passer en bas mais ils ont américain de préférence. Mais cependant dernièrement et organisation TikTok là lui-même et bien il était présenté ou bien encore ils font bail pour dire que ils ont pas séparé et TikTok États-Unis avec TikTok asiatique là pour montrer volontairement que le gouvernement chinois n'a pas accès dans le dossier ou bien dans l'information et public américain, parce que on parle de plus de 100 millions de monde qui fait partie. On a dit que le président Biden n'a pas un compte TikTok, mais campagne a un compte TikTok. Alors, important, c'est un côté que on est capable de contacter les électeurs. Donc c'est ça président Donald Trump, ancien président Donald Trump fait, et c'est ça que l'administration Biden a déjà fait déjà. Mais c'est pas président Biden lui-même, même c'est pas contre pas son compte que campagne a fait, c'est justement parce que dans la campagne électorale c'est des jeunes et c'est des jeunes qui pour plus forcer des électeurs potentiels. Donc l'administration fait. Puis il y a des marches qu'a fait là qu'on y a soit fait pour ces président Donald Trump etc. Qu'a mené campagne qu'on y a là pour voir dans quelle mesure que capable remplacer ou bien encore est-ce que possibilité pour capable remporter les élections même là que le pour le présenter devant juge dans New York et 11 juillet justement pour la sentence que le tribunal a pris compte puisque j'ai des jeunes que le coupable pour nous causer Stormy Daniel là ou bien causer documents faux documents mais falsification de documents et l'argent que le payé pour le tâcher silence Stormy Daniel sur une relation amoureuse qu'elle a avec lui en 2006 et en 2016 elle s'est présentée candidat et bien il était bah encore pour tâcher silence madame non pour madame non pas t'as mettre bah ça dans la rue parce que si ça était dans la rue ben très certainement ça t'a pas affecté candidature dans l'élection 2016 face à Hillary Clinton. Eh bien c'est là que le confrontant s'est parlé avec nous.